allez bien, je vous retrouve dans un nouveau vlog. On est jeudi, du coup le technicien est venu ce matin, il est 11h30, on est tous prêts. En fait, on avait un technicien qui est venu pour notre volet de notre chambre parce qu'il buguait. Vincent a fini de voir son chantier et du coup on est tous prêts, il n'y a que bébé Raph bien évidemment qui dort. Donc on attend qu'il se réveille, on va aller faire, je pense qu'on va aller directement manger. Après on va aller faire les deux petites boutiques, l'Action et le petit magasin qui a ouvert à côté, les courses, et Vincent va rentrer avec les enfants et je pense qu'on va y aller à deux voitures parce que moi j'ai pole dance à 17h et ça va me faire faire ça. Ou alors je le fais, enfin je sais pas. En fait je sais pas trop, c'est en termes de temps en fait que là on est un peu mitigé. Ça serait de Vincent, on mangerait à la maison, mais j'ai promis à mes vies qu'on irait au restaurant ensemble. Et franchement cette semaine c'est le plus simple parce que la semaine prochaine on a pas mal de choses à faire. Vincent a pas mal de chantiers prévus et il y a également ma maman qui va prendre les filles à dormir, donc merde. Non bref, voilà, donc du coup bref, on va voir ça. Je voulais vous faire voir un petit peu ma tenue. Vincent va me filmer parce que je pense que ça doit être la première fois que je vais me montrer de la tête aux pieds en vlog, mais je vous fais voir un petit peu ma tenue. Je le fais jamais, je le reçois parce que je pense, que généralement je suis rarement habillée, ou alors en fait c'est à l'arrache. J'ai toujours un legging. Ah bah, il se réveille. Ah, des t-shirts amples, etc. Et là, du coup, j'ai mis un petit t-shirt tagine banane. J'ai mis un petit t-shirt tagine banane, vous savez, qui s'ouvre, entre guillemets, là, sur les côtés. J'ai mis un petit slim noir avec une petite peluche dessus. Hop, magnifique. Et oui, 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 ça y est, je rentre dans un pantalon. Voilà. Alors bon, je peux vous mentir. Attends, je remonte la bête. Hein, il y a... encore un petit peu de masse, mais je vous ai pas oublié, hein. Les vidéos tous en maillot ça va sortir, mais là on est en période de vacances scolaires, autant vous dire que pour me dégager du temps pour faire une face cam sans qu'il y ait un enfant à la ronde, ou je sais pas comment on dit, voilà, mais bon bref, j'ai mis ça, et regardez, suivez-moi, oulala, mais qu'est-ce qui filme bien. Je voulais vous faire voir ça, j'avais acheté ça la dernière fois quand j'allais faire quelques petites boutiques pour acheter des petits souvenirs à Bérangère, et je me suis trouvé un sac. Je suis très difficile en sac, en sachant que je suis toujours attirée par le marron au niveau des sacs. Et c'est très rare. En fait, je suis pas une femme à sac. Ça se dit ça ou pas? J'ai que deux sacs à main et quand l'autre il est usé, je le change tout simplement. Et du coup, j'ai trouvé celui-ci et c'est rare que j'en trouve. J'ai trouvé un petit sac comme ceci, voilà, à Bonobo. Donc il y a une petite poche comme ça, voilà. Et là, bim bam boum badaboum, nous avons la petite bandoulière. Et il est quand même assez profond. Et voilà, moi c'est typiquement les sacs que j'aime. Et du coup je l'ai trouvé à Bonobo. Et je l'ai payé, il me semble, une trentaine d'euros. Même pas, faites voir. Ah si, quand même, 39,99€. Mais voilà, je le trouve très beau, il est en cuir. Bon bref, voilà, vous me direz ce que vous en pensez. Hein, il est tout neuf, donc je vais le prendre pour aujourd'hui parce que c'est la sortie de l'année. Hein. Ça fait très longtemps que je ne me suis pas habillée, que je me suis maquillée, machin et tout. On sort en ville, on va au resto, on se prépare. Et j'ai trouvé également ce, on va se dépêcher parce qu'il y a bébé Raph qui pleure, ce petit chèche. J'adore tout ce qui est écharpé tout, moi. Je suis une dingue sur ça. Et j'ai trouvé celui-ci. Je sais pas ce que vous en pensez, mais les couleurs, j'adore. Je pense que ça se marie avec plein de choses. Et c'est typiquement moi. Voilà, tout ce qui est un petit peu chelou comme ça. Et il n'était pas trop cher. Hein. Pareil, Bonobo, 19,99€. Donc, voilà. Vous me direz ce que vous en pensez. Mais je ne vous les avais pas montrés. Donc, je me suis dit que c'était l'occasion. On va clôturer là cette petite intro. Raphaël pleure. Et puis, je vous retrouve dans la courant de la journée pour vous faire voir un petit peu le resto, les petites emplettes, etc. J'ai préparé mes affaires de Paul. Maëvie est toute belle, toute prête. Elle a mis une belle petite salopette avec des petits collants. Bien, fais voir vraiment que t'es belle. Fais voir vraiment que t'es belle. Bien. C'est détaché. Ah oui, c'est détaché. Attends, fais voir. Maman, attends. Ouais, t'es toute belle. Elle est toute belle. Elle a mis ses beaux petits collants. Nanana. Bon, elle a choisi le t-shirt. Hein, j'aurais peut-être pas mis ça, mais on s'en fiche. Le principal, c'est qu'elle soit bien. Bref, allez. Je vous laisse là. Je vais chercher Raph et puis ben, on se bouge. Voilà, je vous fais voir mon excellent compagnon derrière qui est un petit jean slim bleu avec un petit t-shirt noir et une petite coupe à la tintin là. Regarde, t'as une mèche qui... 2 heures que je suis ici et rien n'a bougé. T'es pas coiffé pour ça? Ah, c'est pour ça. Parce qu'il a les cheveux un peu comme ça. Allez! Tiens, ta maman te donne celle-là. Tu peux te suer la bouche et les mains. D'accord? Tu peux la mettre sur tes genoux aussi. Ouais. Tiens. Voilà.
on se retrouve beaucoup, beaucoup, beaucoup plus tard. Vous avez dû voir quelques petites prises du coup quand on était au restaurant. Là, il est exactement 16h40. J'attends en fait vers ma pole dance. Parce que du coup, j'ai réservé un créneau libre à 17h aujourd'hui également. On a bien fait prendre deux voitures du coup. Et alors, la fin du repas s'est pas passé comme prévu. Mavie s'est plaint qu'elle avait mal au ventre. Alors on s'est dit, mince, elle a peut-être mangé trop vite puisqu'elle a vraiment bien mangé au restaurant. Donc elle a été faire caca au restaurant deux fois. Et la troisième fois, elle a voulu retourner. J'y suis allée et je voyais qu'elle se retenait. Alors Mavie, à savoir qu'elle aime bien les tout petits pots parce que du coup, bah, normalement quand on fait... Alors là, ça va être l'instant caca, les gars. Normalement, quand on fait caca, vous voyez, il faudrait être comme dans une position bien assise avec les jambes... Bah, dis donc, ça m'a bougé la voiture tellement qu'elle a roulé vite, celui-là. Faut, entre guillemets, remonter un petit peu les jambes pour avoir une position, entre guillemets, plus agréable et que pour le caca sorte plus facilement, n'est-ce pas. Et du coup, je lui ai mis la petite poubelle du restaurant sous les pieds et elle a réussi un peu à faire, mais elle s'est retenue. Mais Evie, il lui faut son petit confort. Entre son frère pour allaiter, qu'il faut le coussin d'allaitement et qu'il faut qu'il soit comme un pacha vachi, et elle, qu'il faut le trône de madame, autant vous dire que j'étais bien logée au resto. Mais bon, bref, du coup, Evie, elle avait trop mal au ventre, donc du coup, on est sorti de table. On a pris un petit peu l'air, allez, 5-10 secondes, et elle était blanche, mais blanche, blanche. Du coup, je dis à Vincent, bon, allez, vas-y, laisse tomber, rentre. Au pire du pire, c'est rien, mais je me suis dit, si elle nous pose une galette ou quoi que ce soit, on n'a pas non plus l'air fin, donc vu qu'on voulait aller à Action et à la Fabrique du Style, des styles, je sais plus comment ça s'appelle cette boutique, et faire les courses après, c'était un peu juste. Donc du coup, ce qui s'est passé, c'est que Vincent, du coup, il est rentré avec les deux enfants. Moi, je suis allée faire mon petit tour Action et à la Fabrique du Style. Autant vous dire que heureusement qu'il n'est pas venu. Je vais lui dire soir, un monde, et on a oublié, vacances scolaires, un monde de psychopathes. En plus, il y a une petite fête foraine vers chez nous, la petite fête foraine qui est tout le temps à la même période. Donc du coup, le parking, entre guillemets, où il y a la fête foraine, il est à 500 mètres du parking où il y a Action, la grande zone en fait. Donc autant vous dire que c'était mais blindé, blindé, blindé. Franchement, je suis bien contente de ne pas y avoir été avec les enfants. Bon, j'ai trouvé plein de petites choses, plein de petites conneries, donc je vous ferai voir ça en rentrant. J'ai jamais été à la Fabrique du Style parce que du coup, ça vient d'ouvrir. C'est magnifique cette boutique, j'aurais tout acheté. Par contre, ça tape, ça tape. Mais j'ai trouvé quoi ? J'ai trouvé un petit cadeau à faire. J'ai trouvé un tapis de bain en version jute, un peu lavable à la main, parce qu'on ne peut pas le passer en machine, mais genre bicelle, ça passe. Ça faisait très longtemps que j'en cherchais un pour mettre où ? Dans ma cuisine. Pour mettre genre vers l'évier, la vaisselle, etc. Pour éviter à chaque fois qu'on mette de l'eau par terre. Alors Vincent, quand je vais rentrer avec ça, il va me dire, mais en fait, que tu laves le sol ou que tu laves ton tapis, ou parce qu'il y a... Mais bref. C'est une histoire de femme, ça, hein, la déco. Et j'ai trouvé quoi ? Un espèce de cadre. Je suis très difficile en déco. Chez moi, il y en a très peu parce que je suis difficile. En fait, moi, il me faut le coup de cœur quand j'achète quelque chose. Et bah, tant que je ne l'ai pas, j'achète pas, en fait. Je suis pas du style à acheter juste pour acheter. Donc voilà. Sauf mes petits hérissons. La dernière fois, j'ai acheté des petits hérissons à Action. Je vous les ferai voir tout à l'heure. Vincent, il s'est foutu de ma tronche. Il me dit qu'on dirait même des hérissons qui copulent ensemble, si vous voyez ce que je veux dire. Donc du coup, bref, sauf ça, voilà, où j'ai acheté ça parce que je trouvais ça mignon, mais il n'y avait pas foutre intérêt. Mais bon, bref, là, c'est la saison de mettre des petites citrouilles, des petits trucs un petit peu, voilà, hivernal, hérisson, machin. Donc j'avais acheté ce petit hérisson. Et là, du coup, j'ai acheté une espèce de cadre en long, en bois. Je l'ai payé quand même assez rush, je crois 20 balles, un truc comme ça. Vous allez me dire, ouais, enfin, Action, ça se trouve, tu aurais pu le trouver. Dans ma Action, j'y vais tout le temps, il y a toujours la même chose. Et puis moi, c'est le bois que j'ai aimé. Et vu qu'on peut mettre plein de petites photos, enfin bref, je vous ferai voir du coup tout ça en rentrant. Je me suis arrêtée également à Tape à l'œil, où j'ai trouvé... Alors, j'étais très raisonnable à Tape à l'œil, vraiment raisonnable. Mais en même temps, bah, il n'y avait pas grand-chose qui me tapait à l'œil. Le jeu de mots de merde ! Oh là là, je rigole tout seul de mes conneries. Donc bref, voilà, je vous ferai voir ça également en rentrant. Et puis, j'ai acheté, du coup, de quoi vous gâter également. Donc, je vous invite à me suivre sur mes réseaux sociaux, donc c'est-à-dire plus Instagram, là, pour le coup, parce que je peux pas faire gagner ça via YouTube. Hein, quoique là je vais faire un petit concours pour Instagram, mais il y a un petit concours qui va venir via YouTube, mais je vous ferai une story puis je vous expliquerai ça peut-être dans le vlog de demain. En fait, en gros, je vais vous faire gagner quelque chose.
un beau lot sur Instagram via mes pépèzes. Hein. Je ne suis pas en partenariat avec rien de ce que je vous fais gagner. Moi, je suis comme ça, je suis quelqu'un de très généreuse. Quand ça me tape, je vais avoir envie de vous faire plaisir ou vous partager des choses. Là, vous êtes nombreuses à m'avoir rejoint sur YouTube. J'ai dit que je ferais un petit concours pour les 1000 abonnés. Et du coup, ça a tardé à faire. Donc du coup, entre guillemets, c'est un petit peu pour ça aussi. Et puis, pour vous remercier de me suivre, remercier de votre gentillesse. Pour le moment, j'ai l'impression que j'ai une petite communauté qui se crée, qui est très, très, très gentille, bienveillante. Donc du coup, j'ai envie de vous faire plaisir. Et du coup, via ça, je vais faire gagner quelque chose sur Instagram, mais je ferai gagner quelque chose sur YouTube. Je ne dis rien. Je ne dis pas quand, ni pourquoi, ni comment. Je piocherai en fait parmi les commentaires quelqu'un. S'il y a 3 commentaires, elles sont que 3. Donc tant mieux pour elles. Mais pour vous récompenser en fait celles qui communiquent le plus avec moi. J'ai pas envie de récompenser quelqu'un qui va juste s'abonner à une page pour dire je veux gagner le truc. Je ferai gagner via Insta parce que je fais un truc par Insta. Mais je ferai gagner quelque chose aussi par YouTube. Je ne dis pas quoi, je ne dis pas rien pour le concours de YouTube. Mais pour Instagram, vous verrez parce qu'il y aura forcément une photo. Voilà. Bref, allez, je finis de blablater, j'ai hyper chaud, je pense que je sais pas si ça se voit, je sue de la moustache, je me suis... Alors, j'étais à Action en premier, la fabricade du style, je sais pas comment ça s'appelle cette boutique, où est-ce que je veux dire, et tape à l'œil, et une sèche, mais internationale, et vu qu'on devait faire les courses à la base, et oui, on devait aller faire les courses en physique, je vous avais dit, sauf que là, mais trop pas le temps, et heureusement qu'on n'est pas avec les enfants, pareil, puisque je sais pas pourquoi on s'entête à chaque fois à faire des nouveaux trucs comme ça, de se dire, ouais, en fait, ce qu'il y a, c'est que je voulais aller faire les courses, parce que le drive, j'adore, mais on voit pas non plus les petites nouveautés, et de temps en temps, j'aime bien acheter des petites nouveautés aux courses, mais là, du coup, je dis à Vincent, vas-y, encore une fois, demain, tu iras faire le drive, de toute façon, ce soir, je compte pas manger, autant vous dire qu'à midi, j'ai mangé des lasagnes saumon épinard en sauce. Mais alors la sauce, elle met encore sur l'estomac. Là, je vais aller faire le dindon autour de la broche. Autant vous dire que déjà en temps normal, j'ai du mal à voir mon regard. Mais alors là, j'ai un ventre d'une femme enceinte de 7 mois et demi, je pense. Après, comme dit Vincent, t'as pas été à la salle depuis combien de temps? Oui, mais quand même, là, je vais aller faire le dindon et je vais me taper un resto à midi. Enfin, vaut mieux manger à midi que le soir. Demain, c'est la session, je me pèse tous en maillot. Et ça va être beau. Ça va être beau parce qu'entre la mini raclette d'hier soir, le resto à midi, et puis ce week-end on n'a pas été très, très light. Voilà. Ça me fait très bizarre parce que tout le monde me regarde. En fait, je suis dans mon pole dance, c'est dans une zone industrielle un petit peu. Alors, je suis blindée de camions, de plein de choses autour de moi. Il y a tout le monde qui termine à cette heure, puisque je pense que c'est l'heure, entre guillemets, 16h30, 17h, où tout le monde termine, les camions, machin et tout. Et il y a plein de camionneurs, genre il y en a 5 ou 6 là-bas, qui me regardent de se dire qu'est-ce qu'elle fout avec sa caméra, elle. Écoutez, les gars, vous pouvez pas comprendre, ok? C'est mon truc à moi. Bref. Allez, je vais aller faire le dindon autour de la broche. Et puis, je vous reprendrai tout à l'heure. Hein, je pense tout à l'heure pour vous faire voir un petit peu tout ça. Et puis, voilà. Voilà. Je suis rincée. Mais je vais y aller. Je vais faire ce que je peux parce que je me suis fait... je sais pas si je vous avais fait voir. Mais voilà, ça me fait comme un petit cloque. J'ai acheté... Alors, j'ai mis du cicalfate. Donc, ça a hyper rapidement cicatrisé. Mais je vais... Je vais mettre un petit pansement comme j'en ai acheté à Action. Et puis, voilà. Et puis, j'ai un sacré bleu. Là, vous voyez. Ça me fait... Mais alors moi je marque très vite, hein. Je vous le dis, vous me faites ça très fort là, j'ai un bleu, hein. donc voilà, écoutez, pour ça je suis rincée, j'ai un petit peu mal aux oreilles, j'hésite, je vais voir la nuit que je passe encore parce que je tousse quand même pas mal la nuit, j'hésite entre guillemets à aller voir le médecin, mais j'ai peur qu'il me dise que c'est entre guillemets le post-covid qui me fait ça et que je peux rien prendre, que ça va passer, mais j'ai mal aux oreilles en fait parce que vu que c'est tout le système ORL un peu qui est pris quand je tousse là comme un phoque, j'ai mal aux oreilles Donc voilà. Écoutez, j'arrête de blablater. Je pense que je ne sais pas fait de voir quelle heure il est. Quelle heure il est? Je vais le mettre devant, je vais aller me. Hein. Et puis voilà, j'espère que on va pas être trop nombreux. Ah putain, si j'ai des filles de mon groupe. Il y a des filles de mon groupe qui se la balade. Bon bah écoutez, on sera plusieurs. On sera plusieurs à aller faire le dindon. Mais moi je suis vraiment un dindon. J'espère qu'il n'y aura pas trop des filles. Parce qu'en fait là c'est tout niveau vu que c'est libre pendant les vacances scolaires. C'est vraiment tout niveau pour pouvoir s'inscrire. Donc là j'espère vraiment entre guillemets. Elle va passer devant ma voiture, elle va voir que je parle à quelqu'un. Mais qui qu'une caméra. Oh là là. Je vais mettre mon bras comme ça. Si je mets mon bras comme ça, ça se voit moins que je filme. Alors on a l'air con hein, parce que vous allez dire ouais bah t'es super à l'aise dans la caméra, mais qu'est-ce que je suis gênée. Si un jour je croise quelqu'un dans la rue qui me dit mais t'es Manon, la chaîne de Loglips. Je crois que je vais être hyper mal à l'aise. Parce que je me rends. En fait, on se rend compte sans se rendre compte quand on fait ça, vous voyez ce que je veux dire? Bon, bref. Je vous disais, la session libre, en fait, tout le monde peut s'inscrire, tous les niveaux. Il y a jusqu'à niveau 5, hein, non? Moi, je suis niveau plus 1, moins 1 même. Et je me dis, putain, si c'est toutes les fortes là, qui s'inscrivent et qui vont faire le dindon, qui vont être trop fortes et moi le dindon.
Voilà. Ah putain, il y en a une autre. Oh là, mais il y a du monde. Attendez, moi je vais y aller parce que je veux prendre ma barre. Ma barre fessée. Parce qu'il y en a plusieurs. Ok. Hein. Allez, la bisouille. Je sais que vous aimez comme, quand je blablate comme ça. D'ailleurs, je vais vous mettre un petit sondage sur YouTube. Là, j'essaierai de le faire avant ce week-end. Savoir, entre guillemets, la longueur du vlog que vous préférez. J'essaye un petit peu de réduire et de le mettre à 20 minutes. Parce que j'ai remarqué que quand je le mets à 20-30 minutes, vous êtes peu à regarder jusqu'au bout et c'est pas le but. Donc j'essaye de un petit peu réduire. Mais je vous mettrai un petit sondage pour savoir ce que vous préférez. Voilà. Allez, j'arrête parce que tout le monde me regarde et ça me gêne. Hein? Allez, bisous. Bon. Si. Si. On voit bien. On voit une grosse tache bleue. On me voit. Je vous retrouve beaucoup plus tard. Donc je suis rentrée de la pole. Il est 20h36. Je suis rentrée. Je vais prendre la douche à Maëvi. À Raphaël. Je crois qu'il pleurait. À Raphaël. Moi, je me suis douchée par la même occasion, n'est-ce pas? Et puis là, je sais pas, enfin, moi j'ai encore les lasagnes là, Vincent aussi. Il a pas mal de travail. Et puis moi, du coup, je vais bosser un petit peu sur les montages. Je crois que le coucher est clôturé. Il me semble qu'il n'y a plus un enfant qui pleure. Mais on s'avoue pas vaincu dans cette maison. Voilà. Je vous montre du coup un petit peu les petits achats. J'espère que vous m'entendrez bien. Si vous m'entendez mal, je vous montrerai un peu le son. Mais je suis désolée, je parle pas trop fort parce que Et Dark Vador. Je montrerai un peu le son. Mais voilà. Je me suis mis vers la télé pour pas. En fait. Si là, si on met les lumières, etc., ça donne vers notre chambre. Et dans notre chambre, vu qu'il y a Raphaël, c'est pas le bon plan, n'est-ce pas? Donc, je suis vers la télé avec la petite lampe de chevet de la télé. Et puis, voilà, je suis un peu ennuyée pour que vous puissiez voir un petit peu ce que j'ai acheté. Du coup, la Polten, ça s'est super bien passé. J'ai kiffé. En plus, j'étais avec les filles de mon groupe. En fait, on s'est donné rendez-vous pour le cours libre. Et du coup, j'avais beaucoup plus de poignes que mardi. Donc, voilà, je me suis refilmée. J'ai refait voir à Vincent. Qui a trouvé que j'avais fait mieux que mardi, mais qu'une... Bon, après il m'a redonné des conseils, etc. Mais bon, comme vous êtes plusieurs à me le dire, à force, j'aurais plus de poigne et je me sentirais 10 fois plus à l'aise. Bref, voilà. Allez, on attaque tout de suite parce que du coup, comme ça après, je vais pouvoir ranger un petit peu tout ce petit foin. On va commencer par action. Je prends au fur et à mesure comme ça. J'ai acheté, alors il me semble que j'en ai plusieurs, des petits trucs comme ceci. Pour faire les étiquettes du Papa Noël. Voilà. Donc j'en ai pris des roses également. Voilà. Un petit peu plus girly, un petit peu plus festif. Donc je me fous à poil. Un peu plus festif. C'était une misère. Il y en a 20 dedans. Il y a beaucoup de choses qui sont arrivées sur Noël. Là, hein. Franchement, il n'y a pratiquement que du Noël maintenant à Action. Mais je préfère anticiper que d'être à court. Et puis là, ce mois-ci, je vais attaquer mes cadeaux du Papa Noël. Donc. Je pense que voilà, c'était temps un petit peu que je commence à acheter ce genre de choses. J'ai acheté des tampons pour mettre sous nos chaises de bar. J'ai acheté du gros scotch marron comme ceci parce que Vincent en avait besoin. J'ai acheté un kit comme ceci de pâte à modeler parce que c'est l'anniversaire d'un de nos petits filleaux. Et du coup, je vais aller lui acheter... je pense une petite tenue. Et je me suis dit, je vais quand même lui prendre un petit truc comme ça, quand même, pour qu'il puisse jouer. Donc, je lui ai pris un petit kit de pâte à modeler. J'ai pris des petites pochettes comme ceci. Alors, c'est une licorne. Je voulais trouver genre un peu plus style Halloween. Mais j'ai pas trouvé. C'est vraiment histoire de mettre 2-3 bonbons pour ses petites copines quand elles vont venir à Léonie pour faire la journée d'Halloween. Et il n'y avait plus rien. Je voulais leur mettre des trucs dans les sachets. Mais je me suis dit, bon, il n'y a plus rien. Je ne veux pas acheter pour acheter. Donc il y aura des bonbons dans les petits sachets. Et puis voilà, hein, c'est vraiment une après-midi entre copines. Vous voyez ce que je veux dire? C'est pas comme si c'était un anniversaire. Là, j'aurais fait un peu plus garni dans les sachets. Voilà, tout ça. J'ai pris des petits trucs comme ça là. Des petits ballotins pour... je sais pas si ça se dit, c'est des ballotins, j'en sais rien. Pour faire des paquets cadeaux, pareil pour le Papa Noël. J'ai acheté, alors j'ai trouvé ça trop mignon, un petit kit comme ceci. C'est pour faire des petits tampons. Mais version Noël. Donc dedans vous avez un petit tampon. Et je me suis dit sur la petite carte c'est mignon d'accompagner ça d'un petit tampon. Et même les filles elles pourront l'utiliser entre guillemets pour jouer ou pour faire des petites cartes, des petits trucs. J'ai racheté pansements pour les enfants et un peu plus pour nous si on se fait mal. Mais voilà, j'ai racheté des petits kits de pansements. Ils sont pas chers, ils sont très bien. J'ai acheté un indispensable parce qu'on n'a plus rien en stock. Des piles, alors franchement 10 balles. Ça fait mal hein, quand même. Mais voilà, j'ai pris des petites et des moyennes. C'est le truc à chaque fois quand je suis en caisse, je me dis, fou, c'est cher, j'ai pas envie. Dites-moi vos commentaires si vous êtes pareil. Mais au bout d'un moment, faut bien s'y jeter quand il n'y a plus les jouets qui marchent. Ah tiens, je t'ai acheté ça, mec. J'ai acheté des paires de sockets à Vincent parce qu'il a plus de chaussettes, il a des trous partout. Ça commence à me...
parlais trop de nez. Du coup, je lui ai acheté des petites paires de soquettes comme ça, classiques. Et puis, j'ai acheté des petites cartes comme ça, pour Noël. Voilà, on a toujours des enveloppes, généralement. On a toujours 2-3 trucs qu'on met sous enveloppe. Donc, les cartes cadeaux, ce genre de choses. Donc, j'ai acheté ça. Voilà pour Action. Ensuite, je me suis arrêtée à la fabrique de style. Je dis à style tout à l'heure, je crois, quand je vous parle de ça. Je ne connaissais pas. C'est un petit magasin qui est ouvert chez nous. Enfin, petit, il est immense. J'achèterai tout dedans comme je vous ai dit tout à l'heure, mais c'est pas donné, c'est pas donné. Du coup, je me suis pris 3 petits trucs, mais il y a un petit cadeau dedans. Donc je vais pas vous montrer pareil le petit cadeau, mais enfin, petit truc. Tout est relatif. C'est ça, je vous disais, je crois tout à l'heure, je vous en ai parlé, je sais plus. Ouais, on voit bien en plus comme ça, vous voyez, il y a plusieurs cœurs. J'ai acheté ça en fait pour accrocher et mettre des petites photos. Je suis très difficile moi en termes de déco comme je vous disais, mais quand je l'ai vu, franchement je l'ai trouvé trop beau. Alors, je vais vous approcher, mais vous voyez le fond, voilà, c'est blanc un peu version, je sais pas comment on pourrait appeler ça là, mais vous voyez ce que je veux dire, comme sur les murs. Bref, et le bois, vous voyez, il est d'une couleur un peu, enfin je trouve vraiment trop trop beau. Donc voilà, et je sais déjà où je vais le mettre, je vais le mettre dans le couloir. Je trouve vraiment magnifique. Donc t'as vu quoi ce que j'ai pris? T'aimes bien? Oui. J'aime bien, hein, c'est beau? Oui. Et pas donné hein, par contre, hein, la bête. Non mais vous... oh, quand j'ai vu le prix, franchement, je me suis tâtée, hein, mais j'ai fait retour du magasin et je l'ai repris. Je vous montre ça en direct. 22 balles. Ça fait cher. Après, vous dites que c'est quelque chose qui reste au mur. Mais à Action, ils étaient pas beaux. Puis c'est plusieurs fois qu'à Action, je trouve qu'il y a toujours les mêmes cadres en plus. Donc voilà. Et alors, j'ai pris ça. J'ai pris un tapis. Passion tapis. Comme ceci. Je vous fais voir de plus près. Voilà. Mais à la base, c'est un tapis de bain. C'est un tapis de bain. Donc du coup, qui dit tapis de bain, dit tache d'eau résistant à l'eau. Vous voyez ce que je veux dire? Le seul truc, c'est qu'on ne peut pas le mettre en machine. Mais vous voyez, ça marque qu'on peut le nettoyer avec quelque chose d'humide. Donc j'ai pensé direct au bissel. Et comme je vous ai dit tout à l'heure en vidéo, je veux le mettre... je veux le mettre vers mon lave-vaisselle et vers l'évier là-bas. Comme ça, les taches d'eau et tout, on les verra moins. Et ça habillera un petit peu là-bas aussi. Je trouve ça joli. Donc voilà, je trouve trop trop beau. Et franchement, pareil, pas donné 14 euros, mais bon, pareil, c'est quelque chose qui reste. Donc voilà, ça m'a moins fait mal de mettre ce prix-là pour ça. Moi, franchement, il y a des trucs, des fois, je sais pas vous, mais moi, je prends pas parce que je trouve que c'est cher pour ce que c'est. Du coup, ben, je prends pas. Alors que, enfin, des fois, je vais regretter. Et là, le tapis, au début, je me suis dit, tu vas regretter si tu ne prends pas. Il en restait 2 dans cette colorie-là. Et je me suis dit, tu vas regretter si tu ne prends pas. Ça fait un moment. Au début, je voulais mettre dans la salle de bain. Je trouve ça trop beau. Mais je pense qu'au niveau résistance de sortir, rentrer de la douche, pas ouf. Surtout que nous, Raph, quand il gigote dans le bain, il gigote. Hein, il m'inonde. D'ailleurs, j'ai pas rangé la salle de bain, je pense. Il gigote dans l'eau. Il y a vraiment de l'eau partout. Mais là, pour mettre vers de la vaisselle et tout, ça va, je pense. Et du coup, je termine. Je termine par tape à l'œil. Je vais essayer encore et encore pour la 4e fois de m'endormir. Il n'y avait pas grand-chose. J'étais pas trop attirée par tout ce qu'il y avait. Tant mieux, parce que vous allez me dire, j'en ai quand même eu pour 50 euros ce que j'ai pris là. Mais du coup, j'ai pris un petit pantalon comme ça à Raphaël. Je l'aime beaucoup au niveau sarouel. Et je fais vraiment attention à la taille parce qu'il est long en jambes, mais il est fin au niveau de la taille. Donc je lui ai pris ceci et je pense que je commanderai sur Zara parce que sur Zara, les pantalons et la coupe va très très bien à Raphaël. J'ai pris ce petit t-shirt là, je le trouvais trop mignon, c'est marqué un amour de petit mec, je le trouvais mignon. Bon, c'est pas pour aller avec celui-là, j'ai pris ce t-shirt là, hop là, mini raton lover. J'adorais le jeu de mots. Oh, je suis cucu, des fois, je vous jure. J'adorais le jeu de mots. Et à Maeve, je lui ai repris des petits côtelets comme ceci. Là, je les aime beaucoup, cette tape à l'œil. Donc, je lui ai pris un noir comme ceci. Et je lui ai pris un kaki. Maeve n'est pas du tout en manque de freins comparé à Léonie. Mais Léonie, j'irai avec elle. Je ferai une journée avec elle, comme j'ai dit. Bon, avec Raphaël, mais je ferai une journée tous les trois. Et du coup, hop. Là, j'ai pris celui-ci du coup pour aller avec les 2 pantalons, même si
dans l'armoire. Je pense que j'aurais trouvé, mais j'aime bien avoir des petits ensembles quand je pars dans le magasin. Donc voilà pour ça. Écoutez, c'est tout ce que j'ai trouvé. Mais c'est déjà pas mal pour une journée. Je pense que voilà, on vient d'avoir la paye. Et moi, quand j'ai la paye, j'ai l'impression que je suis Crésus. Je sais pas vous, mais moi, j'ai envie de tout claquer. Et dans 10 jours, on dira fouille-moi le mois prochain. Dites-moi si vous êtes pareil. Je suis sûre que vous êtes pareil. Bref, allez, je vous laisse. Je vais rendormir Raphaël, ranger mon foin. Et puis voilà, je vous dis à demain. J'essaierai de vlogger demain, rien de sûr, parce que Vincent n'est pas là du matin au soir. Mais genre soir. Donc du coup, voilà, ça dépend un petit peu comment seront les enfants demain. Je voulais tourner une face cam demain, mais j'avais complètement zappé qu'il n'était pas là vraiment toute la journée. Voilà, écoutez, je vous laisse. J'espère que vous aurez passé une bonne journée avec nous. Je vous fais plein de gros bisous et puis je vous dis à très vite.